Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et je suis en compagnie d'un jeune que vous avez déjà vu dans une vidéo il y a longtemps. Mais il a grandi. Tu avais quel âge quand il avait 10 ans? Ouais, ouais, il avait 10 ans. Quand vous l'avez vu la première fois, il avait 10 ans. Donc il y en a beaucoup qui ne le reconnaîtront pas. Mais pour ceux qui le reconnaissent, c'est Edwin. Je vous mets un petit extrait de la seule et unique vidéo où il a apparu chez Kamoff. Et je vous le mets maintenant. Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a un couple d'amis qui nous a demandé de surveiller leur maison. Donc voilà, vous voyez, il a grandi, le petit Edwin. Si vous voulez le rajouter sur Instagram, vous pouvez le rajouter, son Insta s'affiche juste en bas. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du fameux patron de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous mets un petit extrait maintenant. Oui, ça fait 8 ans que je suis avec et oui. Vous êtes un petit bédard. Pourquoi? C'est moi, mais votre femme, elle est vraiment jolie. Là, qu'est-ce que vous voulez? Non, serrez-moi la main, monsieur, vous pouvez y aller. Allez-y, mais vous étiez pressé, c'est mon but. Allez-y, monsieur, c'est tout bon. Monsieur, serrez-moi la main, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'argent, vous voulez quoi? Quoi, je t'ai dit, je joue pas avec mes couilles, quoi. Je joue pas avec mes couilles, quoi. Je joue pas avec mes couilles, ne me touche pas. Ne me touche pas, quoi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je t'ai dit, tu comprends? Ne me touche pas. Ne me touche pas, je te mets la main. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi, là? Tu veux quoi? C'est quoi ça? Pourquoi monsieur, stop. J'ai compris ton vice, hein. Regarde, je vais finir en garde. Il s'est passé des trucs de fou. Le patron de ma femme lui a fait des avances. Ensuite, il a voulu la virer. Il l'a virée. Il m'a donné rendez-vous. Les flics sont venus me chercher. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, les vidéos, la première et la seconde partie, le lien est en description. Faut savoir que le patron, quand j'ai été embarqué, il a porté plainte pour coups et blessures. Et aujourd'hui, je vais avoir une convocation au tribunal. Je vais sûrement avoir une amende à payer. Et je vais sûrement aussi avoir des problèmes judiciaires. Et j'en ai pas envie. Donc, il m'a appelé pour trouver une solution. Et aujourd'hui, on va se rendre à l'endroit où il m'a donné l'adresse pour le rencontrer et voir ce qu'il a à me proposer. C'est pour ça que j'ai pris la caméra, que j'ai pris mon micro. Au cas où il y a quoi que ce soit, tout est filmé. Et j'espère que cette fois-ci, ça va vraiment bien se passer. Et j'espère aussi que ma femme sera réintégrée dans son travail parce qu'au final, elle a été virée pour rien. Donc voilà les gars, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que ça va bien se passer. Et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Ciao. Allô? Oui, bonjour. Je suis Anthony. Oui, c'est qui? Oui, c'est le patron de... Ah, oui. Oui, je vous attends pour vous demander si on pouvait se fixer un rendez-vous. Non, mais... Moi, j'ai pas envie de vous parler. Je vous dis la vérité, c'est bon. Depuis la dernière fois, j'ai plus envie. Si ça vous intéresse. Je voulais vous proposer quelque chose, mais j'aimerais vous voir en tête à tête. Voilà. Oui, comme quoi. La dernière fois. Avec vos collègues. Vous savez que j'ai fait un dépôt de plainte contre vous. Donc voilà, bon, c'est simple. Je ne vais pas accumuler encore. C'est bon, j'ai pas mal de gens derrière moi qui, comme je vous ai dit, qui m'ont reconnu. Donc c'est juste pour parler de vidéo et essayer de trouver un arrangement tous les deux. Donc j'aimerais vous proposer ça de venir me voir. Et vous allez venir avec vos collègues, les policiers? Non, tout va bien, c'est bon, je viens seul. Vous voulez qu'on se voit quand aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous voulez, si vous pouvez. Mais donnez-moi l'adresse par message, envoyez-moi l'adresse par message. Allez, ça marche, je vous envoie ça. Et pas de coup foiré, hein. Ah, allez, ça merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu en penses, gros? Ça me guette pas un peu, non? On fait quoi, on y va? Parce que je sais que je vais y aller, de toute façon, on va pas rester comme ça. Il veut trouver un arrangement, à mon avis, il veut que je supprime les vidéos. C'est sûr. C'est sûr. J'attends qu'il m'envoie l'adresse par message. Mais... Bon les gars, là c'est bon, on est arrivé sur les lieux, il m'attend. Il nous a pas encore vu, le caméraman il est caché depuis tout à l'heure. Moi je suis juste derrière lui. Je vais y aller et je vais voir ce qu'il a me proposer. Tout simplement, j'espère que ça va pas partir en bruit. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous écoute. J'ai pas de temps à perdre, je vous dis la vérité, si vous êtes venu pour me faire encore des problèmes, ça sert à rien. Mm-hmm. Je suis pas venu pour des problèmes, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Je vais vous dire une chose, vous êtes au courant que j'ai porté plainte contre vous? Oui, je sais, j'ai fait 48 heures de garde à vue, je sais, je vais être convoqué au tribunal, je sais. Bien sûr. Mm-hmm. Justement. Je vais vous dire une chose, voilà, ce que je vous propose, voilà, je me suis fait marquer 8 jours JTT, d'accord? Ouais. Donc déjà... Mais vous avez rien? Je vous explique. Vous avez rien? Traumatisé, je vais voir un psychologue. Donc vous êtes quelqu'un de procédurier? Okay. Donc, ça serait que j'en perdais un max. Donc, c'est pour ça que je vous propose une chose.
c'est que vous supprimez vos deux vidéos, parce que, comme je vous ai dit, on m'a reconnu. Donc vous les supprimez, je retire ma plainte, et chacun part aux amis. Et ma femme, elle réintègre son travail? Non, je peux pas la prendre. Pourquoi? On a eu trop d'histoires. On a eu trop d'histoires, même vous et moi. Et même par rapport à ça, non. Donc en fait... Je supprime mes vidéos, ma femme, elle réintègre pas le travail, et vous enlevez votre plainte. C'est ça. Alors que c'est vous qui êtes en tort de base. Franchement, je sais pas, j'hésite, hein, la vérité. Vous hésitez quoi? Vous préférez que je vous prenne 20 000 euros? Mais 20 000 euros, je comprends pas pourquoi, vous avez rien. 20 000 euros, comment? Je comprends pas. C'est votre parole contre la mienne, j'ai pas à me justifier. Parce que vous avez dit que vous êtes au psy, vous êtes traumatisé. Traumatisé? Ah, je vous ai traumatisé. Bien sûr. Vous voulez même poser que je réintègre votre femme? C'est même c'est votre travail, hein. Non, mais c'est ça, ça me fait chier que les gens comme vous, à chaque fois, ils restent impunis. Ça me... c'est vous qui avez fait du mal, c'est vous qui avez fait du chantage, du harcèlement. Et c'est vous qui avez licencié une personne, et c'est vous aujourd'hui qui allez gagner. Donc en gros, là, je supprime les vidéos et on arrête. Et vous enlèverez votre plainte? Sans avoir aucune garantie que vous allez la lever. Pour demander, je vous l'enlèverai. Moi, je suis quelqu'un de parole. Moi, ce que je voudrais, je vous demande, s'il vous plaît, comme ça, on repart sur de bonnes bases. J'aimerais juste que vous réintégrez ma femme, s'il vous plaît. Tu veux que je la réintègre, ta femme? Franchement, ouais. Bah, tu me laisses la niquer alors. Tu vas laisser la niquer, je la réveille écoute demain. Demain, je la réintègre, toi. C'est déjà. Tu as la chance que. T'as la chance que quoi? Tu as la chance, putain, t'as une chance. T'as une chance que je te mette pas la main dessus parce que j'ai envie de t'éclater la tête, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis jamais dit, c'est bon, t'inquiète pas. On va trouver un autre travail, t'inquiète pas. Tu sais quoi? Je suis. T'as gagné. J'ai aucune solution là. Tu vois, je suis un mec, j'ai fait des vidéos et tout machin. À chaque fois que je trouve des solutions, là tu m'as niqué. Ça veut dire que je vais être obligé de retirer mes vidéos, tu vas enlever ta plainte et ma femme elle va perdre son travail comme tu le voulais. Et serre-moi la main, tu es le meilleur. Voilà. Franchement, je suis tombé sur plus fort que moi. Tu peux supprimer tes vidéos maintenant? De suite. On n'en parle plus et on se dit au revoir. Sur YouTube, je supprime les deux vidéos. En plus, je sais pas ce que vous avez fait de l'argent aussi sur moi. J'ai l'histoire. Non, j'ai pas fait d'argent. C'est ma femme, vous lui avez levé un revenu mensuel quand même. Donc, vous lui avez levé un travail à ma femme. Donc, je supprime les deux, là, celle-là et celle-là. Hein. C'est ça. J'ai oublié de vous dire un truc. Tout à l'heure, j'ai complètement oublié, ça m'est sorti de la tête. Ça m'est sorti de la tête, vous les supprimez pas. Parce que regarde, je t'explique, tu vois ça? Voilà. Tu sais ce que c'est ça? Regarde. Tu sais ce que c'est ou pas? Alors, tiens, t'en as un, lis-le. Tiens, vas-y. Dépôt de plainte. Ouais, dépôt de plainte, regarde. À l'encontre de qui? Regarde. Tiens, Nadjis, hein. Tu reconnais les noms? Tu reconnais cette personne-là? Le nom de la personne, tiens, regarde. Celle-là, tu la reconnais aussi? Tiens. Et elle, ça te dit rien, ces noms, ces prénoms-là? C'est des personnes que j'ai licenciées. Ouais. Mais tu reconnais ou pas? Tu sais ce que c'est? Tiens, je te les laisse. Je vais t'expliquer ce que c'est, mon ami. Ah, c'est le nom de Ah oui. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Écoute-moi, tu m'écoutes? Toutes ces personnes-là, c'est les personnes que tu as virées et à qui tu as fait du chantage, comme à ma femme. Et encore, il doit en avoir d'autres, mais le problème, c'est que j'ai pas réussi à réunir tout le monde et toutes les plaintes que je devais réunir. Les personnes, elles ont vu ma vidéo, elles m'ont contacté parce qu'elles t'ont reconnu. Et oui, chantage, agression, harcèlement. Et tu vois, ces personnes-là, elles avaient jamais porté plainte tant qu'elles avaient pas vu ma vidéo. Et puis elles m'ont contacté et je leur ai proposé de faire une plainte commune. Il y a 10 personnes qui ont porté plainte. Et je pense que c'est toi qui vas être emmerdé aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais oublié de te le dire, tu vois, j'avais complètement zappé. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, à chaque fois, je gagne, là, j'ai pas gagné. Mais j'avais oublié de te montrer ça. Le retournement de situation, j'avais oublié de te le donner. Et là, c'est vrai qu'il y a 10 personnes qui ont porté plainte contre toi, tu vois. Et ces 10 personnes-là, malheureusement, je pense que tu vas être... Elle est partie hors de Marseille. Les gens, ils regardent mes vidéos, d'accord? Parce que moi j'ai presque 1 million d'abonnés sur YouTube, donc tu t'étonnes bien qu'il y a beaucoup de gens qui voient mes vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, les femmes que tu as harcelées, elles t'ont reconnu. Elles t'ont reconnu, elles m'ont contacté sur Instagram, elles m'ont dit ah, ce mec-là, je le connais, ce mec-là, il m'a fait du harcèlement. J'ai dit bah écoute, donne-moi tes coordonnées, machin, y en a. Elle m'a envoyé vers d'autres personnes qui aussi avaient été harcelées. C'est que ces autres personnes-là m'ont contacté et elles ont porté plainte une par une et disent. Donc tu sais quoi, regarde, maintenant c'est moi qui vais te poser un dilemme. Je te conseille maintenant, c'est moi qui pose mes conditions. Donc si tu veux pas que ces 10 plaintes-là soient maintenu et que tu sois pas emmerdé au tribunal et que tu risques même de perdre ton travail et etc, tu vois. Si tu veux pas tout ça, je te conseille de lever ta plainte contre moi, première condition. Les vidéos, je vais les laisser sur YouTube, tu es fouté donc en soi j'ai le droit. Et dernière condition, tu vas réintégrer ma femme. C'est ces trois conditions. Mais attends, moi je te force à rien. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Ça,
Tu fais comme si tu ne l'avais pas vu. Tu es d'accord, tu es pas d'accord. Dis-moi, comment on fait? Non, tu veux quoi? Je réintègre ta femme et tu veux quoi d'autre? Moi, je veux que tu réintègres ma femme. Je veux que mes vidéos restent sur YouTube et je veux que tu enlèves ta plainte contre moi. Ça te va comme solution ou pas? Moi, j'ai pas l'habitude de faire. Putain, là, je jubile. Je vais réintégrer ta femme, d'accord? Je vais enlever la plainte, comme ça on est 50-50 toi et moi, d'accord? Moi, ça te sauve d'un côté, ça me sauve de l'autre, d'accord? Je vais réintégrer ta femme, tes vidéos, laisse-les si tu as envie, et que tu m'as dit que je suis enflouté. Si je vois le moindre truc de mon visage, je ferai ce que j'ai à faire. Ah ouais. D'accord? D'accord, et après? Ok. Maintenant, tu as une autre solution? Ah non, j'ai que ça, mais si t'es pas content, c'est pareil. Juste, tu acceptes ça? Oui. Bon, maintenant. Non, mais. D'accord, ok, tu acceptes. Je vais enlever la plainte. Par contre, ce que tu m'as fait, que tu as voulu me frapper, que tu as fait du harcèlement à ma femme pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça, il va falloir aussi que tu le payes, tu comprends? Ah non, on le quitte. Les semaines et les mois de harcèlement que tu as fait sur ma femme, ça, c'est juste pour t'effacer ce que tu as fait là récemment. Mais ce que tu as fait sur ma femme, tous ces derniers mois, ça, tu vas le payer. Ça, tu vas le payer. Et si tu veux pas le payer, là, regarde, je t'explique. Tu vois ça? Ça, c'est un micro. Là-bas, il y a encore ma caméra. Tu le sais, je fais des vidéos sur YouTube. Sois pas con. C'est bien qu'en venant ici, j'allais passer une caméra quelque part. Donc, je te propose, moi, de faire une petite sentence façon Kamov, tranquillou. Et puis, après, on sera quitte. Petite sentence façon Kamov pour les viewers parce qu'ils... Et on sera quitte. Et on sera quitte. Je pense qu'on sera pas quitte. Je te le dis. On sera dans ce sens. Moi, je te dis, on sera quitte. On verra ça. Tu veux? C'est bon? On fait la police. Attends. Mais... On finira la police, toi. T'as peur. Je pense pas. T'as peur de la police, hein? Je pense pas qu'on restera là. Mais arrête de me faire tes menaces. Arrête de me faire tes menaces. Attends, je t'explique un truc. Arrête de me faire tes menaces. Écoute-moi. Arrête de me faire tes menaces. Parce que là, tu sais très bien qu'avec ce que j'ai en possession dans tes mains, ce que j'ai moi, les témoignages que j'ai, etc. Si je veux, je te mets même un coup de tête maintenant, tu n'iras pas porter plainte. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Je veux que tu viennes avec moi, si tu es d'accord. On va faire une petite entente façon Kamov, on va te filmer. Et puis après, c'est fin de la vidéo, merci, au revoir. Et après, on en reste là. Et moi, oui, par contre, j'ai qu'une parole. Moi, je t'inquiète pas. Ok? Allez, c'est parti. Caméraman, tu viens? Il est d'accord, il va nous suivre. On va y faire une petite entente façon Kamov. Et puis une fois que la sentence est faite, on sera quitte. Et voilà, ok? C'est bon pour toi? Est-ce que j'ai le choix? Oui, tu as le choix. Tu as le choix de continuer. Oui, tu as le choix, bien sûr, je te laisse le choix, justement. C'est toi, tu prends la meilleure décision. Allez. C'est bien que tu veux. Allez. C'est bon? Ouais, allez. Les gars, on se retrouve tout à l'heure pour la sentence façon cam off. Allez, à de suite. Bon, les gars, voilà, on est à l'heure de la sentence. Comme vous le savez, on fait toujours des sentences farfelu, des sentences drôles, des sentences qui valent le coup. Et notre ami, viens, ne te cache pas, notre ami, voilà, on y a mis une petite perruque, vous voyez, j'espère qu'il vous plaira, les gars. Ça résume bien ce qu'il y a écrit là, l'homme que tu es, un super connard, tu vois. Je suis content. Et je suis content. Mets-toi là, ici, là, comme ça, et, tu vois. N'aie pas peur, il y a des gens qui passent, mais c'est pas grave. Regardez comme il est beau, il a gardé ses pointus, j'ai pas voulu le mettre en chaussette. Voilà, à partir de là, on est quitte. Moi, j'ai plus rien à te dire. C'est bon? Je suis content. Voilà, tu vas rentrer comme ça chez toi. Je suis content. Voilà. Mais il y a quand même 2-3 personnes qui voulaient te voir. Moi, je te laisse. J'ai tout. J'ai fait mon travail, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, c'est. Tu sais, c'est les mecs. J'ai retrouvé aussi 4 mecs, des filles que tu as harcelées qui n'étaient pas au courant. Maintenant, ils le sont. Je te laisse avec eux. Je te laisse gérer l'histoire. Et puis, je te dis à la prochaine. Hein? Allez. Les gars, moi, je m'en vais. Je suis plus responsable de rien. Il est là. Allez, viens. Voilà. Là, ils sont en train de me défoncer. Hein? Allez. Voilà.